Shalom à tous, c'est encore Lady Storm dans les couleurs de la vie, enseignement. Alors nous sommes toujours dans le thème fiançailles, préparation d'un mariage réussi. La dernière fois, nous étions en train de parler des fiançailles. Pourquoi? À quoi elles servent? Pourquoi? Quel est l'objectif, l'utilité des fiançailles? Et nous avons vu plusieurs points, dont le point qu'il faut apprendre à se connaître. Et lorsque tu me parles de toi, je découvre qui tu es. Tu me parles de ton passé, de ce que tu es. Et quel que soit ce qu'a pu être ton passé, le Seigneur t'a pardonné. Moi, je me dois de te pardonner. Et peu importe ce que tu as été auparavant, maintenant, tu t'es repenti. Alors moi, je ne peux pas revenir en arrière. J'accepte ton passé. Et aujourd'hui, nous voulons construire sur de nouvelles bases. Et simplement, je voulais vous raconter une petite anecdote. Je disais également précédemment que le mariage est un investissement. C'est l'investissement de votre vie. Lorsque vous intégrez une entreprise, peu importe votre bac plus 2, 3, 4, 5, 10, l'entreprise vous prendra et vous formera. Pourquoi? Parce que l'entreprise investit en vous. Elle voit en vous un bon élément et donc elle veut semer en vous des compétences. Elle veut semer en vous des choses qui serviront à l'entreprise. Donc peut-être durant une semaine, deux semaines ou un mois, l'entreprise vous formera. Elle vous montrera comment ça fonctionne ici. Elle vous montrera les techniques, les formes, comment ça se passe et vous allez vous formater en fonction de comment ça se passe dans l'entreprise. Vous allez vous adapter et vous allez vous conditionner par rapport à l'entreprise. J'ai envie de vous dire, dans les fiançailles, c'est exactement la même chose. Nous passons un temps de fiançailles pour nous former et pour nous acclimater à l'autre, pour voir si l'un et l'autre nous sommes faits pour vivre ensemble, oui ou non. Et c'est à la fin des fiançailles que nous pourrons dire si oui ou non, j'adhère, si oui ou non, je veux, si oui ou non, je choisis ou pas, si oui ou non, j'accepte ou pas. Alors, j'ai une anecdote à raconter. Nous parlions de, il faut connaître les passions ou les loisirs de l'autre parce que ça fait partie intégrante de l'autre. Tes loisirs font partie de ta vie. Donc, puisque je veux partager ta vie, donc il est dans mon intérêt de venir découvrir, te découvrir dans tes loisirs, dans ta danse ou dans ta musique, dans ton sport, parce que ça fait partie de ta vie. Ce n'est pas dit que je vais aimer, que j'aime ou que je n'aime pas. Étant donné que ça fait partie de toi, en tout cas, c'est dans mon avantage de passer du temps avec toi. Et donc, c'est dans mon avantage de venir découvrir ton loisir. Alors, personnellement, chez moi, il y a mon mari et il y a mes enfants. Donc, ils aiment bien les jeux vidéo. Ceci dit, moi, j'ai horreur de tout ce qui est jeux vidéo. Alors, je leur dis tout le temps, si ça ne tenait qu'à moi, les fabricants des jeux vidéo feraient faillite dès le premier jour parce que je n'aime pas tout ce qui est consonne, tout ce qui est jeux vidéo, j'en ai horreur. Et donc, ils disent oui, on sait, parce que tout le temps, je leur dis la même chose. Alors, lorsqu'ils mettent sur la télévision leur foot ou leur basket et qu'ils jouent, étant donné que je veux passer du temps avec eux, je ne peux pas ne pas être là. Donc, je suis quand même là malgré que je n'aime pas. Mais je suis là pour partager leurs loisirs à eux. Je suis là parce que ça leur fait plaisir à eux, notamment à mon mari, avec qui je veux partager des moments, mais aussi avec mes enfants. Bien que je n'aime pas ce qu'ils font et ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient, mais comme là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de mon mari ou de mes enfants, alors je prends sur moi et je passe un petit temps avec eux à les supporter. Je deviens supportrice. Pourquoi? Parce que eux, c'est ce qu'ils aiment. Alors moi, je leur fais plaisir en les supportant les uns les autres. Voilà, c'était simplement pour vous donner une petite anecdote pour dire partageons les loisirs de l'un et de l'autre. Même si nous n'aimons pas à la base, même si nous ne supportons pas, mais vivre ensemble, en tout cas, vouloir vivre ensemble, c'est vouloir faire des concessions, c'est vouloir faire des efforts dans le sens de la bonne santé du couple, dans le sens du bon épanouissement, du bien-être du couple. C'est parce que nous allons passer du temps ensemble que nous nous connaîtrons mieux
et que nous allons mieux nous amuser ensemble, que nous allons mieux nous épanouir et que nous allons mieux être heureux. Alors, nous allons parler maintenant des fiançailles. Est-ce que les fiançailles peuvent-elles se rompre? Les fiançailles peuvent-elles se rompre? Tout de suite, je vais vous écrire la réponse au tableau parce que c'est une question qui a été posée, qui sera encore posée, et parce que la réponse ne plaît pas toujours. Je parlais dernièrement avec un jeune homme qui me disait, mais en fait, parle-moi un peu des fiançailles, parce qu'aujourd'hui, les jeunes font un peu tout et n'importe quoi. Tout est devenu sans dessus, dessous, parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règlement. Cela n'est pas enseigné dans les églises. En fait, on n'en entend pas parler. On ne sait même pas ce que c'est que les fiançailles. C'est tellement tabou dans la communauté chrétienne. C'est tellement tabou dans la communauté chrétienne que les jeunes ne savent pas. Et il me disait, en fait, tu sais, explique-moi un peu parce que je ne comprends pas. Comment tu peux, construire avec quelqu'un alors que tu ne connais pas la personne? Et j'étais en train de lui expliquer que tu n'as pas besoin de connaître la personne sexuellement parlant pour vouloir construire avec elle, mais tu as besoin de la connaître humainement parlant et spirituellement parlant. Tu as besoin de connaître qui est cette personne-là. Et le reste viendra ensuite, car la Bible dit dans Genèse au chapitre 2, au verset 18, « Car l'homme quittera son père et sa mère, et tous deux s'attacheront... » Enfin, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ainsi que tous les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit, durant les fiançailles, vous deviendrez une seule chair. Non. Parce que pendant les fiançailles, nous ne nous appartenons pas encore. Je ne t'appartiens pas. Tu ne m'appartiens pas. Donc, je ne peux pas disposer de toi. Tu ne peux pas disposer de moi. C'est une fois marié que l'homme appartient à la femme et que la femme appartient à l'homme. Et j'ai essayé de lui expliquer et il me disait, c'est vrai ce que tu dis. Malheureusement, aujourd'hui, tout est un peu désordre parce que les jeunes ne le savent pas. Même s'ils le savent, il n'y a personne pour leur dire. Il n'y a personne pour les mettre sur le droit chemin. Et il faisait un constat qui est assez amer au point de vue de la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Et donc, nous devons parler à la jeunesse d'aujourd'hui pour préparer les adultes de demain, pour préparer les foyers de demain, pour préparer les mariages de demain. Et donc, il me disait que vraiment, aujourd'hui, les jeunes font n'importe quoi. Et il avouait clairement que les jeunes font n'importe quoi. Les jeunes vivent déjà une vie, une vie de couple, même s'ils ne sont même pas fiancés. En fait, ils sont encore au stade de pré-fiançailles, mais ils vivent déjà une vie de couple. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Et les fiançailles peuvent-elles se rompre? J'ai envie de vous dire oui. Et je vais clairement vous dire oui. Pourquoi? Parce que les fiançailles ne sont pas le mariage. Les fiançailles, ce n'est pas l'engagement que tu as pris devant le maire, devant les hommes, devant la famille, devant tout un chacun, devant Dieu. Ce n'est pas cet engagement-là. Les fiançailles sont une promesse d'engagement. Les fiançailles sont une promesse. Ce qui est complètement différent de l'engagement même, qui est le mariage. Les fiançailles sont une promesse d'engagement. Elles ne sont pas un engagement. Je te promets que durant ce temps, ce laps de temps, nous allons apprendre, faire des efforts pour apprendre, pour voir si toi et moi, nous sommes faits pour vivre ensemble. Parce qu'au cours de ce chemin, je peux me rendre compte que par rapport à ton caractère, par rapport à mon caractère, nous sommes incompatibles, ça ne va pas marcher. J'ai eu à rencontrer des fiancés, ils en étaient encore au stade des fiançailles. Mais ils se disputaient tout le temps ils se disputaient. Et ce n'est pas de mon devoir ni de mon droit de dire à quelqu'un, séparez-vous ou mettez-vous ensemble, cela ne m'appartient pas. Mais moi, lorsque les gens viennent me voir, j'ai le devoir de leur dire ce que la parole de Dieu dit. Je dégage ma responsabilité, mais je dis ce que la parole de Dieu dit.
Alors, quelquefois, j'ai simplement envie de dire, vous en êtes encore aux fiançailles, vous n'êtes pas encore mariés. Vous vous entretuez comme ça. Alors, imaginez ce que ça donnera pendant le mariage. Si déjà, pendant la période de fiançailles, vous vous entretuez, alors qu'est-ce que cela va donner pendant le mariage? Qu'est-ce que cela va donner une fois que vous serez mariés? Et des fois, j'ai envie de dire, mais stoppez l'hémorragie, mais je ne peux pas, ce n'est pas de mon droit. Des fois, j'ai envie de dire, arrêtez, parce que vous voyez très bien qu'il n'y a aucun point commun, ça ne va pas, vous voyez très bien que vous êtes sur deux chemins différents. Vous n'êtes pas ensemble, vous êtes l'un au nord, l'autre au sud, mais je n'ai pas ce droit-là et je m'interdis ce droit-là. Pourquoi? Parce que demain, ça me retournera dessus et je n'ai pas ce droit-là, donc je m'arrête à ce que la parole de Dieu dit comme ça, c'est clair et net pour tout le monde. Alors, c'est une promesse d'engagement, mais ce n'est pas un engagement. Donc, je ne suis pas engagée avec toi, donc je ne t'appartiens pas. Les fiançailles peuvent-elles se rompre? Oui. Des fiançailles peuvent se rompre. Si je me rends compte que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, déjà, je me rends compte que nous avons vu au premier point que ça, c'est la bergerie. Le roi David a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce que l'Éternel prend soin de moi, parce que l'Éternel est mon berger, que moi, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que c'est le berger qui s'occupe de moi. Si j'ai froid, c'est au berger d'aller chercher la couverture pour venir me vêtir. Si j'ai faim, c'est au berger d'aller chercher à manger et de venir me donner à manger, tel des parents dans une maison. Aussi longtemps que l'enfant est mineur, il dépend de ses parents. Il est encore sous le toit de ses parents, universellement parlant. Il est encore sous le toit de ses parents. Ce sont les parents qui se décarcassent. Ce sont les parents qui cherchent pour leurs enfants. Ce sont les parents qui réfléchissent pour apporter une vie convenable, une vie, un environnement convenable à leurs enfants. Ce sont les parents qui se décarcassent. Quand tu es dans la bergerie, c'est le berger qui réfléchit pour toi. C'est le berger qui trouve des solutions pour toi. C'est le berger qui prend soin de toi. C'est le berger qui t'assure la protection. C'est le berger qui t'assure la sécurité, l'amour, qui te donne l'amour. C'est le berger qui te donne tout ce dont tu as besoin. Alors tu ne manques de rien. C'est dans ce contexte-là que le roi David a dit « L'Éternel est mon berger » parce que lui, il était dans la bergerie. Donc si tu te rends compte que la personne n'est pas dans la bergerie, et je vais faire une grosse parenthèse. La Bible n'a pas été écrite pour Dieu. Dieu est sa parole. Dieu est la Bible. Il n'a pas besoin d'écrire ce qu'il est. La parole de Dieu a été écrite pour vous et moi parce que nous devons avoir une ligne de conduite ici sur terre. Nous devons avoir quelque chose que le Seigneur nous laisse pour dire voilà, si tu as besoin de A, le A se trouve dans ma parole. Tu as besoin de B, le B se trouve dans ma parole. Tu as besoin de X, cela se trouve dans ma parole. Il n'y a rien qui puisse t'arriver qui ne soit dans ma parole. Lorsque la parole de Dieu dit de demeurer dans la bergerie, ce n'est pas pour Dieu. Dieu est omniscient, omnipotent, omnitout. Il sait tout, il peut tout faire. La parole de Dieu a été écrite pour nous les êtres humains, parce que nous en avons besoin et parce que nous devons l'étudier, parce que nous devons en tenir compte, parce que notre bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Et ce que la Bible dit, ce n'est jamais pour mon malheur, mais c'est toujours pour mon bonheur. Parce que moi, je ne connais pas le lendemain, mais Dieu connaît mon lendemain. Je ne sais pas, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. Seul Dieu sait ce qui m'arrivera demain. Je ne sais pas dans quelle situation je serai demain, alors que je suis en train de vous parler. Mais Dieu sait ce que je serai demain. Dieu sait comment je serai. Dieu sait ce qui se passera. Alors sa parole a été écrite pour moi, parce que lui qui connaît toutes choses, il sait ce qui est bon pour moi ou pas. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas le lendemain. Alors, s'il a mis des principes
que toi et moi, nous devons respecter, c'est uniquement pour nous assurer une sécurité, un environnement de sécurité. Dans la bergerie, en cas de pépin, en cas de problème, tu n'es pas tout seul, tu n'es jamais tout seul. Tu as quelqu'un qui s'appelle le berger, le rédempteur, le sauveur, qui s'appelle le protecteur, le bouclier, qui est toujours là pour toi et qui résout tes problèmes si tu fais appel à lui. Et si tu restes à ses côtés, à ses pieds. Si au cours des fiançailles, tu te rends compte que nous avons deux bergers différents, que nous avons deux, que nous partageons pas la même vision, nous ne partageons pas la même conception de la vie. Et si tu vois que cette union que vous voulez faire sera un préjudice pour toi dans ta vie, si tu as, comment dirais-je, le discernement pour dire que cette relation que j'ai envie de mettre en place demain, elle me causera problème, ce que Dieu ne veut pas pour toi. Si tu as le discernement pour voir que, en fait, là, je me rends compte que je ne vais plus à l'église parce qu'il faut que je reste avec cette personne, je m'éloigne un peu de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est Dieu, parce qu'il faut que je passe du temps avec la personne, je ne médite plus la parole de Dieu, là, c'est que des sorties. En fait, si tu te rends compte que tu n'es pas dans le bon chemin, il est de ton intérêt que tu puisses revoir tes choix et tes décisions et te dire peut-être que je devrais envisager ce qui serait une bonne chose pour moi. Pourquoi ? Parce que les fiançailles, ce n'est que la vitrine de ce qui se passera demain. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce qui se passera demain. J'ai envie de donner c'est pas un témoignage, c'est un fait réel. Bon nombre de femmes, en tout cas, l'expérience a montré, depuis que je sers Dieu, et depuis que j'entends des choses, depuis que les gens viennent se confier, je peux vous témoigner avec certitude que, au début, une personne suit le Seigneur et va à l'église et fervente, aime Dieu et le sert de tout son cœur. Parce que l'union fait que je dois passer du temps avec toi pour être avec toi. Nous nous mettons ensemble pour passer du temps ensemble. À force de vouloir être avec toi, je m'éloigne de l'église, je m'éloigne des choses de Dieu, je mets de la distance entre mon Dieu et moi, tout simplement parce que toi, tu n'es pas avec moi dans cette optique-là. Et comme nous voulons être à deux, ce n'est pas toi qui viens à l'église avec moi. C'est plutôt toi qui m'entraînes dans les chemins tortueux. L'expérience a montré, et ça, je suis en train de le clamer haut et fort, que, en général, ce n'est pas celui qui connaît Christ qui emmène l'autre à l'église. Moi, de ce que j'ai pu voir, je le témoigne ouvertement, c'est plutôt celui qui est dans le monde qui détourne l'autre en fait. Et la personne qui allait à l'église, qui adorait son Dieu comme tous les dimanches, en semaine, tout ça, détourne son chemin et commence à sortir de cette vie spirituelle pour simplement être avec l'autre. Et de ce fait, un dimanche manqué, ce n'est pas grave. Deux dimanches manqués, ce n'est pas grave. Trois dimanches manqués et après, ça devient une habitude. Et après, simplement, je ne prie plus. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, ne prie pas ou qui, elle, ne prie pas. Et comme moi, je veux être avec cette personne-là, il faut être au même endroit, ensemble, pour partager des choses. Et comme moi, je veux être avec cette personne-là, résultat, je me suis éloignée des choses de Dieu. Alors, les fiançailles peuvent-elles se rompre ? Oui. Si tu vois que cette relation-là est néfaste pour toi, si tu vois que tu n'es pas à ta place dans cette relation-là, la Bible est là pour t'éclairer, pour te montrer si tu es sur le bon chemin ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas un être humain qui viendra te dire si tu es sur le bon chemin ou pas. La Bible est là. La Bible, c'est Dieu. La Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. La Bible est là. Si tu étudies, tu pries d'ailleurs, le Saint-Esprit te parle. Il te montre si tu es sur le bon chemin ou pas. Et sois simplement attentif.
passes du temps dans la prière. C'est comme si tu semais quelque chose. C'est comme si tu semais quelque chose dans ta propre vie. Passe du temps à demander, Seigneur, montre-moi. Dieu veut simplement te dire, il veut te parler. Mais est-ce que toi, tu es attentif à ce qu'il te dit? Est-ce que toi, tu es attentif à lorsqu'il te parle? Est-ce que tu as les oreilles qui sont attentives à la voix de Dieu? Est-ce que tu es attentif aux signes qu'il te montre? Est-ce que tu es attentif à ce que tu vois? Et est-ce que tu arrives à comprendre ce qui t'arrive? J'ai envie de dire, c'est vraiment une grosse décision à prendre. Et pour la prendre, il ne faut pas négliger la parole de Dieu. J'ai envie de dire, c'est tout l'inverse. Il faut simplement se baser sur la parole de Dieu parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle est notre ligne de conduite. Elle est notre code de la route. Elle est notre code de tout. Tous les codes sont dans la parole de Dieu, j'ai envie de dire. Donc, on ne peut pas prendre une aussi grosse décision, la décision de sa vie, sans se baser sur la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose dans 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 16. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que bon nombre de personnes ont fait, comment dirais-je, comme un amalgame. Et j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Des jeunes filles qui m'ont demandé, et Lady Storm, et la Bible dit que, et pourquoi pas dans mon cas, pourquoi pas dans ma situation? Nous allons lire ce verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 16, la Bible dit, « Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » Alors, j'ai eu des jeunes filles qui, elles, connaissaient le Seigneur. Et ensuite, on fait la rencontre d'un jeune garçon qui ne connaît pas le Seigneur. Et elles viennent me voir pour me dire, « Mais Lady Storm, la Bible dit que sais-tu, femme, si toi, tu sauveras ton mari? Si par toi, l'homme sera sauvé? » Alors, je dis, en fait, ce verset, il est... Tu n'es pas dans cette situation-là. Ta situation n'est pas celle que décrit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, au verset 16. La parole de Dieu dit, lorsque vous êtes rencontrés, en fait, ce verset est valable dans le cas que je vais vous citer. Deux personnes, un converti, deux personnes qui ne connaissent pas Christ, se rencontrent. Elles se rencontrent, elles se marient, elles s'aiment, elles se marient. Et au fil des années, un jour, il y a un qui se convertit. Disons, l'homme se convertit, accepte Christ, donne sa vie à Jésus, dit « Seigneur, je te donne ma vie, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. » Mais la femme est restée dans le monde. La Bible dit, toi qui es converti, ce n'est pas parce que tu es converti que tu vas rejeter l'autre qui n'est pas encore converti. Car, que sais-tu, homme, si par tes prières, tu ne vas pas sauver ta femme? Ou que sais-tu, femme, dans le cas inverse, si par tes prières, tu ne vas pas sauver ton mari? C'est dans le cadre où les deux personnes se sont mariées avant de connaître le Christ. Et en cours de route, il y a un qui a donné sa vie à Christ. La Bible dit que tu ne dois pas divorcer parce que l'autre n'a pas encore rencontré Christ. Tu ne peux pas divorcer parce que l'autre n'a pas encore fait la connaissance du Christ. Vous êtes marié, vous êtes marié. Cependant, la même Bible dit que parce que toi, tu as rencontré Christ et que l'inconverti, il n'est pas content. S'il veut partir, il peut partir. Dans ce cadre-là, toi qui a fait la connaissance de Christ, toi le chrétien, tu es libre. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, je vais répondre à une question, je pense qu'elle est universelle parce que les jeunes filles surtout, en tout cas moi, dans mon cas, ça a été les jeunes filles qui sont venues beaucoup me voir par rapport à ce passage biblique-là. Cela ne s'applique pas dans le cadre où tu es jeune fille et tu rencontres un inconverti. Ça ne s'applique pas dans ce cadre-là. Tu n'es pas concerné par ce verset biblique. Si tu es une jeune fille qui connaît le Christ, il est bon pour toi. En tout cas, la Bible dit « pourvu que ce soit dans le Seigneur ». Et ne vous mettez pas sous un joug étranger. Qu'est-ce qu'un joug étranger? Un joug étranger, c'est tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Autrement dit, il y a Jésus-Christ et il y a tous les autres.
Le joug étranger, c'est tout ce qui n'est pas Jésus. Ça veut dire c'est tous les autres noms que vous connaissez. La Bible dit que ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ce n'est pas pour vous faire du mal ou pour me faire du mal que la Bible dit. Au contraire, c'est pour avoir la garantie d'une vie meilleure. C'est pour avoir la garantie d'une vie de soumission à la parole de Dieu. C'est pour avoir la garantie que quoi qu'il arrive, vous êtes sous la protection divine. Quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais à la rue, vous ne serez jamais orphelin. Parce que moi, le berger, je prends soin de vous. En fait, la Bible veut simplement dire, ne vous mettez pas sous un joug étranger, parce que sous le joug étranger, vous ne trouverez pas le secours que moi, je peux vous apporter. Mais sous le joug de Jésus, j'y suis. Et vous me trouverez, et dans n'importe quelle situation, je pourrai venir à votre secours. Là, tu as une garantie pour ta vie. Là, tu as une garantie pour ton couple. Là, tu as une garantie, une assurance. Tu peux fonder, tu peux bâtir, tu peux construire sur une bonne fondation parce que tu sais avec qui tu construis, parce que tu sais qui t'accompagne, parce que tu sais qui est ton mentor, parce que tu sais qui est ton roi, qui est ton maître dans cette belle aventure que tu t'apprêtes à mener. Alors, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est parce que Dieu qui connaît toutes choses sait ce qu'il est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Et lorsqu'il dit quelque chose dans sa parole, sache que c'est toujours pour ton bien, toujours pour notre bien. Les fiançailles peuvent-elles se rompre? Oui, les fiançailles peuvent-elles se rompre. La deuxième question qui suit cette question, c'est sexe ou pas sexe, durant les fiançailles. Est-ce que durant les fiançailles, nous avons le droit de vivre une intimité comme font les couples mariés? La réponse est non. À l'inverse de celle de la réponse, les fiançailles peuvent-elles se rompre? La réponse est non. Les fiançailles sont exemptes de toute forme de sexualité. La sexualité est un domaine uniquement réservé aux mariés. La sexualité est un domaine uniquement réservé aux personnes qui se sont mariées devant les hommes, devant Dieu, devant tout le monde. Aux personnes qui se sont mariées. À celles-là est réservé ce domaine de la sexualité. Tant que vous n'êtes pas encore marié, vous ne pouvez pas aller dans ce domaine-là parce que cela ne vous est pas réservé. Alors, lorsqu'on me pose des questions sur est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, la réponse est claire, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Si l'on n'est pas marié, l'homme et la femme n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Maintenant, dans le livre, alors le Seigneur a fait la grâce d'avoir ce joli outil qui est ce merveilleux livre que je vous présente. Fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Je prépare mon mariage. Je suis formée pour vivre un mariage merveilleux. Alors je me forme. Je me forme en tant que femme. Je me forme en tant qu'homme. Fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Tu dois te former, tu dois apprendre qui tu es, tu dois apprendre ton rôle, tu dois apprendre qui est l'autre et tu dois apprendre le rôle de l'autre pour pouvoir conjuguer ensemble et vivre une vie de couple agréable. Le mariage, la sexualité est réservée dans le mariage, uniquement dans le mariage et pas ailleurs. Alors, la prochaine fois, nous parlerons de sexualité. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi la sexualité, plutôt? Pourquoi la sexualité est réservée dans le domaine du mariage? Nous parlerons de ça et vous comprendrez pourquoi le Seigneur a réservé ce domaine-là aux mariés et pas aux fiancés. La prochaine fois, vous découvrirez cela et ça sera merveilleux. Je vous remercie pour votre fidélité. C'était Lady Storm dans les fiançailles.
préparation d'un mariage réussi. Préparez votre mariage. Prenez le temps de préparer votre mariage, ce qui sera un délice pour votre vie de couple. C'était Lady Storm. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Shalom, shalom.